Coucou les amis, pardon, donc il est pratiquement 13h, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Alors là je reviens de la sortie de Nuki, 32 degrés, donc je peux vous dire que la sortie a été rapide et puis que nous avons rasé les murs hein, et nous sommes abrités sous les arbres. Voilà, alors je reviens rapidement. Alors déjà j'avais oublié de remercier donc la voix des anges pour avoir le courage de mettre un commentaire via tout ce que je vous ai partagé depuis un certain temps, fausse voyante, fausse ceci, les arnaques, etc. etc. D'accord? Voilà. Je remercie aussi, donc j'espère que je vais pas écorcher le nom de la chaîne, c'est Taïkian. D'accord? Donc via ce qui se passe entre son Marie et lui-même, je n'ai pas à juger tout simplement, mais je sais que c'est une personne qui est dans la bienveillance, puisque lui-même vous a dit les dangers qu'il pourrait y avoir en ce que certaines personnes qui vous ont dit que les galactiques allaient nous sauver, que Poupou allait nous sauver, que Trompette allait nous sauver, etc. etc. Donc je le remercie infiniment. Et en fin de compte, donc merci à Taïtian, j'espère que c'est bien comme ça qu'on le dit, pour avoir quand même prévenu, voilà, de certains dangers via des personnes qui sont fragiles, en dépression, etc., dans son dernier live. Voilà, ça c'est important que je vous le dise. Voilà, parce qu'il est dans la bienveillance. Et vraiment, il est rare chez certaines personnes de YouYou ou d'autres plateformes de parler de ceci. Hein? Voilà, donc je le remercie infiniment. Vous savez très bien le pourquoi du comment, je vous l'ai déjà expliqué. Une proche qui faisait de la dépression, comme je vous l'ai dit, c'est arrivé jusqu'à vraiment, comment on appelle ça, une vraiment maladie mentale grave. Hein, via ce qu'elle a entendu dans certaines chaînes ou sur des plateformes, en parlant tout le temps des guides, des guides, des guides, je vous l'ai dit, puisque quand le pompier me l'a passé, le pompier a bien vu ses délires. J'ai la voix cassée, c'est normal, c'est les émotions. Puisque, grâce à ce pompier, j'ai pu avoir donc cette proche au téléphone et nous avons parlé, échangé, et je le répète encore, là, ce qui est grave, c'est que elle a dit devant les pompiers, ce n'est pas qu'une voix que j'entends, c'est des voix, et les voix, ce sont mes guides pour trouver le bon chemin. Alors, à force de répéter, de répéter, de parler des guides, s'il vous plaît, arrêtez, hein, n'insistez pas trop, d'accord? Et je vous avais expliqué aussi ce qu'elle m'a dit au niveau de mon dernier numéro de téléphone qui se termine par 17. 17, je vous ai dit que c'était la 17e de l'alphabet qui est Q. Voilà. Donc, j'ai fait des recherches. Alors, je ne parle pas de tout le monde non plus. C'est pas tout le monde qui est inclus dedans. Hein, ça, faut bien le savoir. Mais je suis déçue de certaines personnes qui me mettaient des petits cœurs ou des petites choses comme ça, que j'ai défendues vraiment très très longtemps. Bon, ben, je vois quand même, hein, c'est là qu'on voit ce qui se passe, etc. Bref. Alors, j'ai eu un commentaire, je ne sais plus de qui m'a dit, au moins, vous êtes pas comme Jordan, vous êtes posé, calme ou quelque chose comme ça. Alors, je tiens à vous dire que je ne suis pas Jordan. D'accord? J'ai pas autant critiqué certaines chaînes. J'ai simplement dit qu'il y avait des choses qui me dépassaient et que c'était grave, quoi, tout simplement. Je n'ai pas fait écouter des voix de certaines chaînes, pardon, chose que je ne ferai pas parce que ce n'est pas de ma personne du tout, du tout. Je tiens simplement à prévenir certaines personnes de faire attention il faut écouter. Donc je vous ai partagé plusieurs vidéos.
avec des enquêtes sur sur certaines personnes, que ce soit chaman, thérapeute, voyance, cartomancien, cartomancienne, etc., etc. Il y a encore d'autres recherches à faire. Ce n'est pas terminé. Donc, oui, il y en a qui vont dire j'ai retourné ma veste. Non, je ne la retourne pas. C'est que ce qui s'est passé à une proche m'a fait un déclic. Et après, qu'est-ce que l'on fait? Voilà, quand on a de la logique et du bon sens, eh bien, quelque part, on fait des recherches et puis on s'aperçoit de certaines choses. Comme je dis, il n'y a, comment dire, ce dicton que j'ai du mal à dire. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Donc je suis en quête de vérité aussi pour certaines personnes que l'on écoute, soit sur YouYou, soit sur d'autres plateformes. J'ai dit certains noms, mais il y en a encore un bon nombre. Croyez-moi qu'il y en a énormément. Et dernièrement, je vous ai fait donc partager, justement, c'est très intéressant. C'est donc une jeune femme m'a sorti du New Age. Donc c'est un témoignage et via ses dires, je suis tout à fait en accord avec ce qu'elle dit. Voilà. En ce qui concerne les soins énergétiques, etc. et qui parle de thérapeute et d'autres personnes aussi. Tout simplement, je ne suis pas dans la critique. Je veux simplement mettre les gens... dire attention, d'être vigilant, ça fait un bout de temps que je le dis, qui vous écoutez. Il y a certaines choses que j'ai dites dans le passé, certes, mais en ce qui concerne mon ressenti sur, je l'appelle trompette, quelque part, je ne me suis pas trompée et je sais qu'il y a des gens à qui ça ne va pas plaire. Donc voilà. Donc je vous avais dit de faire vos recherches en ce qui concerne donc une vidéo donc de Abigail. Et oui, je reparle d'Abigail. Et puis donc, en fin de compte, je vous avais dit qu'elle avait mis un lien sous sa vidéo. Oui, mais c'est dans les commentaires et c'est épinglé. Vous avez plus qu'à appuyer dessus et écouter, tout simplement. Donc des mises en garde, bien sûr. Mais je suis déçue de certaines personnes qui me mettaient des petits cœurs. Sur YouTube, etc. Une personne que j'ai énormément défendue, pas de nouvelles. Alors c'est vrai que je n'ai pas regardé mes mails non plus, non. Donc voilà. En tout cas, je remercie donc la voix des anges qui a eu le courage de me marquer ne serait-ce que un mot ou deux mots en commentaire. Merci. Et je remercie encore d'avance Taïkan. Voilà. Je peux vous dire que je sais ce qui se passe, hein, apparemment on l'a traité de fou, de tout ce que vous voulez, mais je peux vous dire que si vraiment il était, comme on dit, aussi dérangé que ça, je peux vous dire qu'il ne serait pas derrière son écran à vous parler comme il vous parle. Non, 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 non. Voilà. Donc, personnellement, je ne juge pas, je ne dis rien. Voilà. Mais je peux vous dire que si vraiment il avait un problème psychologique, tout ce que vous voulez, d'après tout ce que j'ai entendu, il ne serait pas derrière l'écran à prévenir certaines personnes qui peuvent être fragiles, etc. Tout ce qu'il vous a dit donc dans son live d'aujourd'hui. Voilà, parce que je l'ai écouté, cela m'a intéressé et j'ai trouvé que c'était une personne quand même dans la bienveillance, vraiment, vraiment. Donc il est rare chez certains youtubeuses ou youtubeurs comment dire, d'exprimer des dangers pour des personnes fragiles, dépressives, etc., etc. Hein, parce que quelque part, on peut se perdre aussi. Donc merci Taïkian. Voilà, je pense que mon titre, ça sera Merci à la voix des anges. Merci à Taïkian. Hein. Et puis merci à vous aussi. Donc je continue à épingler certains commentaires qui résonnent vraiment en moi. Voilà. Et puis j'espère que je n'ai rien oublié. Je vais faire assez vite parce que je n'ai pas encore mangé.
Oui, il y en a qui vont rester sur le derrière quand ils vont apprendre certaines choses. Ceci n'empêche pas, quand même, que je sais, via ce qui se passe depuis un certain temps dans le monde, la France, etc., etc. Hein? Il y a des choses que je vous avais dit où je ne m'étais pas trompé. Voilà. J'ai lu un commentaire aussi qui m'a bien parlé, mais je ne sais plus qui. Alors, je n'ai pas tout noté, hein, j'ai vraiment pas le temps. Voilà. Les journées passent extrêmement vite. Donc, je suis quand même assez lucide de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde et la France depuis un certain temps. Et comme on dit, le changement radical, ben, quelque part, il est présent quand même. Hein, et ça va quand même crescendo. Hein. Voilà, puisque plus en plus de misère, plus en plus d'augmentation de prix, de plus en plus de ceci, de plus en plus de cela, etc., etc. Voilà. Donc, par contre, j'emploie pas toujours des mots que d'autres emploient, comme maléfique, etc., etc. Après, chacun a envie d'employer le terme qu'il désire aussi. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, via ce que je vous ai fait donc écouter, qui est quand même important et intéressant en ce qui concerne donc le témoignage de ma sortie du New Age, ce témoignage, eh bien, je trouve que cette jeune personne explique tout ceci, mais vraiment très bien, les mots il faut, les virgules, etc., etc. Il n'y a pas de souci, hein, en ce qui concerne aussi la psychologie. Donc, voilà, je ferai d'autres recherches. Encore. Donc je répète à cette personne qui m'a mis un gentil commentaire quand même, que je n'étais pas comme Jordan. Non, je le répète, je ne suis pas Jordan. Je ne vais pas enregistrer des personnes, etc. Non, ce n'est pas le but du tout, du tout de ma démarche. Ma démarche est de prévenir certaines personnes de faire attention à ce qu'elles entendent ou ce qu'ils entendent. Et de bien faire la différence, parce que en ce moment, vous savez, entre le vrai et le faux, ce n'est vraiment pas évident. Il y a des gens qui peuvent très bien se perdre. Hein. Voilà. Donc le titre, je pense que ça va être ça. Merci à la voix des anges, merci à Takian, et merci aussi à des abonnés aussi, également. D'accord? Voilà. Ça, c'est mon fonctionnement. C'est mon fonctionnement, voilà, j'enregistre pas des personnes qui disent certaines choses qui me dépassent. Hein. Non, ce n'est pas du tout dans ma mentalité. Je ne suis pas là pour dénoncer non plus, je suis là pour mettre les personnes en garde. Parce que nous savons très bien que s'il y a des personnes qui viennent voir des télépathes, des voyants, des cartomanciennes, c'est bien pour quelque chose. Hein, on a envie de savoir un petit peu ce qui va se passer dans le monde, ce qui va se passer dans la France. Et vous voyez que c'est pas mieux non plus. Hein. On va dire que, sans vous effrayer, on voit que ça monte crescendo. D'accord? Il faut savoir qu'il n'y a pas de sauveur, que ce soit les galactiques, comme il y en a une qui l'a dit, hein, qu'on verrait un ciel qu'on n'a jamais connu. Je l'attends toujours, ce nouveau ciel. J'attends toujours les galactiques, n'est-ce pas? Que Poupou serait un sauveur, que Trompette serait un sauveur. Non, faut arrêter de délirer. Faut arrêter de dire n'importe quoi à n'importe qui. Tout simplement. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre certaines choses. Voilà, et c'est ce qui se passe. Et il y en a qui veulent. On voit les cigarettes. Désolé. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre. Oui, de les rassurer quelque part, mais entendre de telles conneries, je suis désolé, mais bon, moi je veux bien, mais bon, voilà. Donc je vais vous laisser, et puis donc je vous souhaite un bel après-midi. Je remercie aussi, je fais un coucou un petit peu à tout le monde, Monique aussi, que j'ai vu qui était revenue, et bien d'autres personnes. Je fais un coucou aussi à Marie. À Louloute, si elle m'écoute, voilà, si elle a le temps de m'écouter. Donc j'ai des nouvelles de Louloute, elle va très très bien. Donc elle travaille dans la même société, sauf ailleurs dans les Landes.
Et franchement, ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci. En plus, elle est devenue secrétaire d'où elle fait le saxo, hein. Elle fait partie de bandas, etc. De groupes, hein, qui vont jouer un petit peu partout. Donc, elle est devenue la secrétaire. Donc, il y a toute une mise en place. Et puis, elle est très, très occupée, hein. Entre la musique, jouer par-ci, par-là, le travail, être la secrétaire, etc., etc. Je suis ravie pour Louloute. Je t'embrasse et tu m'écoutes. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, si vous voulez en savoir plus en ce qui concerne, donc, comment dire, certaines choses en ce qui concerne Trompette et d'autres personnes, vous allez sur, même si vous n'êtes pas abonné, vous cherchez Abigail. Il me semble que le titre c'est Chronologie. Et vous allez dans le commentaire, ça a été épinglé. Vous avez juste appuyé sur le lien et comme ça vous allez apprendre certaines choses aussi. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors, ne me comparez pas encore une fois à Jordan parce que ça ne m'a pas plu malgré que le commentaire était gentil quand même. Hein, parce qu'on m'a dit que j'étais plus calme, etc. Non, non, je n'ai rien à voir avec ce personnage-là. Voilà. Je suis complètement différente. Je le répète, c'est pas mon truc de, comment dire, de faire des montages et puis de parler et puis de faire écouter des personnes de YouYou, certaines personnes. Non, je suis pas comme ça. Je veux juste prévenir, être avenante pour certaines personnes qui peuvent être aussi fragiles également. D'accord? Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous.